voilà. Comme elle l'a dit, hello tout le monde, j'espère que vous portez bien. Voilà, c'est bon, l'entrée c'est fait. Voilà, madame qui prend mon rôle. Bon, voilà, coulé. Bon, bah, j'espère que vous allez bien. Bon, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. C'est le petit carré qui ressemble à ceci qui se trouve sur le bas. Et d'activer la petite cloche. Et puis c'est bon, t'es content de ton petit Yves, ton petit fait, hein? Bon, alors aujourd'hui nous avons reçu de nouveau une petite box de chez Truth. Comme d'hab, on ne sait pas d'où ça vient cette fois. La dernière fois c'était sur Taïwan. Donc bah allez, c'est parti. Bon, bah voilà, on va ouvrir cette petite boîte on sait pas trop, voilà. En tout cas, la dernière, c'était sur Taïwan, donc dans le petit i en haut, vous avez la vidéo de celle qu'on a fait sur Taïwan. Puis on va ouvrir celle-ci pour voir ce qu'on a de beau. Bon, tam tadam. Alors, bah on a un petit drapeau, là, qu'on voit qui est blanc et rouge, mais après on sait, voilà. Donc, bon allez, sauvage. Oh, cette fois nous sommes en Indonésie, voilà. Donc il y a une population, il y a la capitale. C'est bien sur ces petites cartes qui donnent comme ça là, voilà. Vous avez plein d'infos sur le pays. Et il y a une recette. Et en plus à première vue effectivement, c'est le nasi goreng en recette, donc pourquoi pas à garder. Et pourquoi pas essayer. Ouais. Hop, de côté. Après comme d'hab nous avons de nouveau la petite feuille. Où il y a ce qu'il doit avoir dedans, plus ici on peut dire ce qu'on a aimé ou pas aimé. Bon, c'est ça. Hein. Et puis là, c'est quoi? C'est une petite carte? Une petite carte postale de Bali. Oh! Une petite carte postale de Bali. Ça peut être sympa. Ah, on va la mettre là aussi. Ouais, elles sont les deux là. Bon! T'es prêt à voir des trucs un peu bizarres ou sympathiques? C'est pas forcément bizarre, voilà. Ça peut être bon. Bon, bah vas-y! Honneur aux femmes, pioche. Ah voilà, on commence très simple. En layer cake. Okay. Et je crois qu'il y en a même en deuxième. Oh mais c'est light ça, c'est un gâteau fourré au beurre. Waouh. Alors déjà, on va vous montrer la petite tronche. Voilà. Comment ça ressemble, à quoi c'est. Hop. Si ça veut bien faire la netteté, mais ça prend envie, donc voilà. Ça ressemble à ceci. En plus, c'est pas marqué si. Ah, c'est gâteau fourré au beurre. C'est bien, en plus, ils ont mis en français dessus. Oui. Mais c'est qu'au beurre. Bon. Oui, c'est prêt. T'es prêt à prendre 300 grammes d'un coup juste avec un micro cake. Ouais. Bon. En tout cas, l'odeur, ils sont bons. C'est déjà pas mal. Alors. Tiens, tu veux humer. Ça, c'est pas grand chose. Non, c'est. Que... On verra bien. Ah, il est tout fluffy, hein, c'est vraiment... C'est fluffy? Ouais. Mais est-ce que c'est fluffy bon? Enfin, alors on dirait, à l'odeur, il y a un petit odeur vanille. Alors, fourré, beurre, c'est vraiment léger. Hein. Bon, allez, hop. Ah. T'as un petit cake moelleux. C'est un cake, quoi. Voilà. Ça ressemble au petit cake, papy, brossard, tout ça qu'on peut trouver. Voilà. Un peu n'importe où. Ouais, c'est un petit cake comme ça. C'est pas mauvais. Non, ça se laisse manger. En petite portion comme ça, dans les petites... c'est sympa. Regardez l'autre. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a encore de beau? Bon, on va prendre ça parce que vu que la dernière fois... Voilà, la dernière fois, on a encore fait... Mais, ouais, encore de la fraise, oui. La dernière fois, on a fait sur la Candysan, dont le petit ici aussi pour la dernière vidéo. C'était exclusivement sur des fraises. Bon, là, ils ont dû se donner le mot, hein, parce que... Voilà. Milkita. Milkita, strawberry shake, candy. Donc, c'est des bonbons à la fraise. C'est enfin, des bonbons au yogourt à la fraise. Voilà, on va en prendre un juste pour voir. Hop, tiens. Bon, ça a l'air d'être vraiment des bons becs. Là, c'est des tout durs. Ah, quoique. Oh, ça sent bien chier. Par contre, ils sont durs, hein. Ouais, à mon avis, ça se croque pas, ça se suce. Bon, bah voilà, fini de sucer le bonbon à la fraise.
qui colle bien aux dents. Ah, ça colle mat. Nous avons de nouveau notre expert gourmand félin. Chaton. Qui est par là, au cas où peut-être que si vous voyez un truc qui bouge, c'est normal. Il vient nous aider à la dégustation. Bon, bah, ces petits bonbons, c'est pas mauvais, mais ça colle bien aux dents. On a peut-être dû finir par ça, en fait, ça aurait été peut-être plus simple. Donc, on savait pas. Voilà, c'est finiment. Bon, tu pioches, je pioche. Vas-y. Bon, je pioche, il y a un gros paquet. C'est marqué cool cheese, évidemment, au fromage, à mon avis. Voilà, à quoi ça ressemble. Au cheddar. Je sais pas si c'est cheddar. C'est pas marqué, c'est marqué juste au fromage. Wafer with cheese flavor filling. Voilà. Ah ouais, c'est ça. Donc on va voir ce que ces petits... Attends, on va prendre peut-être un couteau pour essayer d'y couper parce que... Un ciseau. Voilà, ça va faire. Oui, un tout doux. Hop. Parce qu'ils sont juste là. Alors si on y va comme en sauvage, on va tout exploser. Hop. Ça sent le fromage. Même pas. Je suis un peu... Un peu déçu. Ouais, je pensais que ça allait être... Mais c'est l'équivalent de gaufrettes. Alors ça ressemble franchement à des gaufrettes qu'on a par ici, celles au chocolat. Tiens. Mais elles sont censées être au fromage. Je suis sceptique. Alors il y a une petite odeur. De reviens-y pas, mais bon. Moi ça me dérange pas. Je trouve pas mauvais. J'ai pas beaucoup de goût de fromage en fait. Non, pareil. À l'odeur, quand tu sens bien, il y a une légère. Mais alors, vraiment, c'est léger. Hein. Vraiment léger odeur de fromage, mais. Moi, je dirais plutôt un truc un peu légèrement sucré. Ouais. Mais. Non, franchement, c'est pas mauvais. Ou alors, on a la bouche anesthésiée par la fraise. Ouais, mais. Non, c'est pas mauvais, mais. Je trouve que ça manque de goût de fromage. C'est vraiment. C'est juste parfumé. Bon, voilà, c'est vraiment léger. Ça reste des petites gaufrettes, c'est sympa. Enfin voilà. Bon, next, vas-y, pioche, fais-toi plaisir. Ah. Alors, nous avons des chips taronettes. C'est marqué Potatoes BBQ. Voilà. Avec un volcan. Bon, il y a quand même un petit. Il y a quand même effectivement un petit volcan dessus. Donc, on va quand même s'y méfier un petit peu, hein, parce que. Santé. Bon, à l'odeur et à la couleur, ils ont pas l'air d'être rouges. Vas-y en premier. Ah, c'est moi qui tente. Bah, ouais, tu sais que j'aime pas trop. Alors. Franchement, il y a un petit goût barbecue qui revient. Non, franchement, il n'y a pas de retour. Tu peux y aller sans autre. Franchement, elles sont pas mauvaises, je les trouve légères en plus. Franchement, elles sont pas mal. Comment tu trouves? Bon, on sent qu'elles sont quand même un peu fortes, mais pas grand-chose. Non, on dirait qu'il y a un petit goût fort qui veut venir. Mais ça va. Mais ça vient pas. Donc c'est... Non. Ça veut pas. Voilà, non, mais c'est... On force pas les choses. Non, mais c'est pas mal. Bon, ensuite, je pioche. Bon, allez, soyons fous. Tiens, les biscuits à la fraise. Les biscuits à la fraise. Et ils se sont donné le mot, c'est pas possible. Hein. Oui, tu prends, j'en peux plus de la fraise. Bon, je vais quand même prendre pour goûter ce que ça a l'air d'être. Voilà. Des petits biscuits comme ceci. Ouais, ça a l'air d'être pas trop mal. Ouais, bah vas-y, prends pour un chips. Moi, je vais quand même en goûter un pour voir ce que ça vaut. Oh, ils sont mignons, hein, ça fait vraiment des petits biscuits quand même par ici. Hein. Mmh. Allez hop, on teste. C'est un goût de fraise. Ouais. Mmh. Non, franchement, c'est... C'est bon. Ça reste des petits gâteaux secs avec une petite confiture fraise dedans. Ils sont pas mauvais. Pas mauvais du tout, il n'y a rien à dire. Voilà, ça reste des biscuits fraises. Ils auraient pu mettre chocolat ou caramel ou... Ça ne changerait rien. Non, ou ils auraient pu mettre, je sais pas, une saveur un peu spécifique à leur pays. Un fruit exotique ou quelque chose, mm-hmm. Toi, pour changer un peu, mais bon, voilà. Bon, vas-y, vu que j'ai pioché, vas-y, pioche. Qu'est-ce que tu as trouvé de beau? Chocolate wafer bite. Ça a l'air d'être des biscuits au chocolat avec du chocolat à l'intérieur. D'accord. Chocolate filling.
Attends, on va juste montrer. Vas-y. Donc ça ressemble à ceci, c'est marqué Dolcetto, hein, voilà. À mon avis, c'est plutôt... Je suis pas sûr qu'il y en a là-bas, ça vient peut-être de Thaïlande, hein, vu le nom, mais d'Italie. Non, ça vient d'Indonésie, c'est dit. Ouais, c'est ce qui est dit, mais bon. Ouais. Bon, alors hop. Oh, c'est mignon, on dirait des petits... Oui, c'est tout petit. Ah, c'est vraiment pas bien grand, hein, c'est vraiment tout petit, là. Ah, bonjour, chat. C'est pas bon le chocolat pour toi. Ah, par contre, ça, j'aime beaucoup. C'est vraiment chouette. Oh, c'est pas mauvais. Bon, ouais. le fourrage est un petit peu... Un peu léger, le fourrage. Léger. Voilà. Mais franchement, il y a un bon petit goût chocolat avec. Non, c'est ça. Oui, ça sniffe, mais c'est pas pour toi. Désolé, mon chat. Bon, je pioche. Allez, on va prendre celui-ci. Tiens, des crackers, des Jerry crackers sweet cheese, voilà, au chocolat de nouveau, voilà. Hein. Au chocolat, t'es sûr? Non, au chocolat, au fromage, voilà. Hein. C'est validé par le chat. Ouais, c'est validé à première vue, ça. On va quand même s'y méfier. Hein. Non, ce qu'il y a là-dessus, c'est, ça a l'air bon, mais c'est pas pour toi. Voilà, en plus, il n'y en a pas 10 000 et des cents là-dedans. En plus, il y en a que deux. Bon, bah voilà. Voilà, ça va être vite fait. Hop, tiens. Non, tu joues pas avec ça. Da. C'est pas un jouet. Hein. On voit vraiment la couche de fromage qu'il y a par-dessus. Ça a l'air d'être une couche fromagée dessus. Le fromage glacé. Ouais. Du glaçage fromage. Mmh. Qu'est-ce qu'on pense? Bah moi, je trouve qu'il y a nouveau un goût de sucré qui revient. Mais j'ai l'impression qu'ils font là-bas du fromage plutôt, quelque chose de sucré. Mmh. On dirait qu'ils n'ont pas l'habitude de manger du fromage, juste au vrai goût de fromage, ils rajoutent toujours du sucre pour essayer de casser un petit peu. Ou pas, ou ils utilisent simplement. Ou c'est comme ça, mais. Non, sucré quoi, je veux dire. C'est... Non, franchement, c'est pas mauvais du tout, mais je trouve que voilà, comme avant, ça manque de nouveau de. Bah pour vraiment... les Suisses, on est un peu déçus voilà. De son fromage, quoi. Quand on voit fromage, on s'attend à du fromage, quoi. Voilà. Mais c'est pas mauvais, hein. Ouais, bon. C'est une bonne découverte, hein, quand même. On verra. Bon, pour l'instant, on reste côté Asie, donc peut-être la prochaine fois, on sera côté... Europe ou États-Unis. On verra bien. On verra bien. Bon, vu que j'ai choisi, tu choisis lequel ensuite? Oui, il n'y en a plus beaucoup, hein. Je vous dis, on est quasiment au fond de la boîte. Ouais. Tu te tentes... cookies, Dean. Tu te tentes les cookies? Ouais. Alors, Dark Chocolat Cookie King. Ok. Voici le petit paquet des petits cookies. Bon, je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup dedans non plus. Alors, ah si, il y en a un peu plus. Par contre, ça n'a pas aimé le transport, hein. Ah bon? Ouais. C'est un peu chaotique. Bah, on va dire que c'est plutôt... Le reste, c'est des brisures, en fait. Voilà ce qui nous reste. Bon, bah, voyons voir. Des petits cookies de chocolat. Bon, pas comme on habitude. Ils sont super plats. Je vais vous montrer la gueule. De... Vous pourrez voir. Voilà. Ça, ils appellent ça des cookies. Hein. Vous avez vu l'épaisseur? Il y a un petit peu arnaque sur le... C'est des petits sablés, ouais. Ouais. Mais du cookie veut dire simplement biscuit. Oui. Hein, donc, non. Mais... C'est pas générique, quoi. Ouais. C'est pas mauvais, mais c'est pas... Ils sont pas mauvais. Franchement, rien à dire. Bon. On tente l'avant-dernier. Mm-hmm. Nous avons une espèce de petite... Alors, là, aucune indication, hein. Non. On va juste prendre la petite... Une petite fiche. La petite fiche. Est-ce qu'il y a quelque chose dessus? Oui. Ah, ça c'est pour toi. Banana cake. Ok, donc on va voir ce que ça vaut. Mochi. Ouais. Ouais. On va voir un truc. Alors. Alors, effectivement, ça hume la banane à plein nez. Tiens, vas-y, renifle. Tu vas voir. Oh non. C'est pas pour madame, ouais. Donc ça c'est bon. Donc on va tester. Ah. C'est dur au croquet. C'est dur. Ah, c'est vraiment dur.
Il y a vraiment le goût de banane. Ça me fait tellement penser à un médicament, un sirop à la toux. Ok, c'est pas bon. Ah, le fameux antibiotique qu'on avait le droit, qui était dégueulasse. Ouais. C'est vraiment ce goût. C'est vraiment ça? C'est vraiment ce goût. Et en plus, bah, je trouve que c'est super sec. Ouais, bah, c'est beaucoup moins. Voilà. Non, c'est vraiment sec. On va pas acheter, donc je vais le finir. Mais c'est vraiment... Je pense que si vous n'aimez pas la banane, si vous avez un mauvais souvenir de votre antibiotique, c'est pas de la bonne technique. Quoi. Non, c'est vraiment pas le meilleur truc. Bon. Voilà, on va prendre quelque chose parce que ça fait vraiment... C'est vraiment étouffe chrétien. Hein. Ouais. Mais c'est con parce que il y a le goût qui est super prononcé. Bah oui, justement. Mais mis à part ça, il est pas mauvais. Mais il y a le goût de banane, voilà, faut vraiment aimer la banane. Mais il n'est pas mauvais ou il y a trop le goût de banane? Non, sur le principe, pour le petit biscuit, le défaut qu'il a, enfin les deux défauts pour moi, c'est le goût de banane. Après ça, les personnes qui aiment la banane, ils vont aimer. En même temps, c'est marqué banana cake. Voilà, après, le seul gros bémol qu'il a dessus, c'est qu'il est, pour moi, très sec. Et ça fait vraiment étouffe chrétien. Mais surtout que c'est marqué in spongy texture, donc ça aurait dû être un peu... un petit peu mou. Alors, à moins qu'il a une année le biscuit, puis voilà. C'est mais... vrai qu'il a spongy texture. Oui, il devrait avoir la texture de l'éponge, mais non. Non, je suis navré, désolé. Désolé, là, non. Il était peut-être spongieux au départ, hein, mais peut-être. Mais là, non, on dirait que ça a l'air bon. Hein. Voilà. C'est la vie de nos chats, c'est compliqué chez nous, comme vous pouvez le constater. Hein. Bon, nous arrivons au dernier petit chose de cette petite boîte. On a attendu parce que j'ai quand même vu le nom dessus. Donc, c'est à première vue, c'est des bonbons au gingembre. Ginger candy. Voilà. Donc, voici... Ouais, c'est les signes. Hein. Donc, voici la petite boîte. Donc, j'ai dit qu'on attendait la fin, comme ça on pouvait le tester. On va l'ouvrir pour voir ce que c'est. Enfin, ce que c'est. C'est marqué que c'est un des bonbons les plus sains qu'on peut trouver. D'accord. Donc on va voir. On va voir ce que ça dit. Alors, déjà, il faut trouver la petite ouverture. Oula. Je te laisse, je suis pas tentée par ça. Il y a en plus des toutes petites boîtes dedans. Des portions individuelles. Ouais. Mais... Ah ouais, d'accord. Quoi? Alors c'est vraiment... Oh mon Dieu. Ah ouais, ouh, ça aussi ça va coller aux dents. Ça va vraiment coller. Faut d'abord que j'arrive à l'ouvrir hein, parce que c'est un bonbon qui a un peu une texture un peu pâteuse. Voilà. Mmh, voilà. Juste voilà, donc ouais, c'est juste un truc au fin, vas-y. Ça sent rien. Non, ça sent pas grand chose. Hop. D'un coup, t'as peur de rien. Alors, la texture est un peu bizarre parce que ça fait un peu caoutchouc. Mis à part ça, franchement, ils sont très bons. Ah bon? Après, ceux qui connaissent le goût du gingembre, c'est le goût du gingembre. Là, je commence à sentir la force du gingembre. C'est piquant donc aussi. C'est un peu piquant. Mais tu vas aller dans le carton, vas-y. Hein. Et franchement, c'est vrai, ils sont très très bons. Pour autant, comme on a dit, il faut aimer le gingembre. Hein. Ceux qui n'aiment pas le gingembre et puis ce qui pique, hein, laissez tomber. Hein. Parce que on le sent bien. On sent bien le gingembre. Ah ouais, on le sent. C'est pas pour moi. Mais ils sont vraiment. Il n'y a rien à dire. Ils sont très bons. Je peux comprendre qu'ils disent que ils sont sains parce que je pense qu'il n'y a pas grand chose dedans à part c'est une espèce de pâte de gingembre. C'est juste que l'ingrédient principal, le gingembre, est une herbe qui traditionnellement est utilisée pour traiter les refroidissements, les maux d'estomac et plus encore. Bon, c'est très bien pour moi ça. Hein. C'est très très bien. Voilà. Et puis effectivement, quand on regarde derrière, pour ce truc de nutrition, arrête de pousser le carton. Quand on regarde, il y a tout qui est marqué à 0%. Sauf le gingembre. Sauf effectivement... Il y a un petit peu de sucre, évidemment, il y a 2% de sucre, bon, c'est un bonbon, je pense qu'il n'y a pas le choix. Il y a des calories, mais il n'y a pas de, quasiment rien, c'est marqué 25, donc à mon avis... Ça dépend, 25 calories, si c'est le bonbon, ça fait quand même beaucoup. Non, je pense hein. Que comme la plupart du temps, c'est toujours pour 100 grammes. Ah non, une pièce, toi. Ah oui, donc voilà. Donc c'est quand même
riche, mais par contre, effectivement, après, il y a un très bon goût qui reste en arrière-bouche, c'est très long. Mais voilà, bah effectivement, faut aimer le gingembre. Si on n'aime pas le gingembre, laissez tomber, ça arrache. Bon, bah voilà, sur cette dernière dégustation de bonbons, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Puis, bah, portez-vous bien, à la prochaine pour la prochaine box. Puis, allez, ciao ciao! Tu veux venir aussi? Voilà.